Premier, ça ne veut rien dire. Rien dire du tout. Et je sais ce que je dis. Tenez, donnez-moi n'importe lequel de vos fameux premiers. Et laissez-moi regarder ce qu'il y a dans son portefeuille. Ah, c'est pas la peine de compter l'argent, hein. Il n'y en a pas un qui reste premier après ça. Pas un, vous m'entendez? Tenez cette ligne-là. Vous la prenez, vous la soulevez. Qu'est-ce que ça donne? Un! Le premier! Mais est-ce que vous êtes bien sûr d'être premier? Est-ce que vous êtes sûr que vous allez vous accrocher à cette place de premier? Est-ce que vous n'êtes pas comme tous ces mecs avec des portefeuilles bidons, avec des poches à double fond? Si vous répondez à cette question, je vous autorise à me suivre. Et vous serez second. Moi, second? Ah ben merde, alors vous voyez bien que je suis premier. Alors vous souriez, vous faites les mâles, vous dites des choses gentilles, des trucs du genre... Quelle belle soirée pour faire la queue, n'est-ce pas? Ou bien, hein, votre femme Arnal, c'est quelqu'un, ça, ouais, mon pote, c'est quelqu'un. Et dès que tout le monde commence à vous aimer, vous les baisez. Si tous les gars du monde vous laissent passer leur portefeuille, la face du monde serait changée, pas vrai? Tenez, une supposition. Vous rencontrez le président de la République. Il vous file son portefeuille. Eh bien, vous savez tout sur lui. Ou bien le Premier ministre, ou la reine d'Angleterre, même un joueur de foot. Vous regardez dans un portefeuille, vous savez tout. Des bouts de papier, avec des secrets tellement secrets que le type les avait oubliés. Des rendez-vous auxquels on n'a pas été. La photo de bébé qu'on avait oublié d'avoir fait, à des dames qu'on avait oublié d'avoir connues. C'est vos venir et les larmes, la la. Vous êtes plutôt joli garçon. Molly, voyons. Ne faites pas attention à lui. Ah, mais je fais attention à ce qui me plaît. À celui ou à celle qui me plaît. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je disais que vous étiez plutôt joli garçon. Vraiment. Vous savez ce que j'aime chez vous? C'est la manière dont votre visage est fait. Les os, là, les pommettes. Vous ressemblez à James Dean. James Dean? Mais oui, vous savez l'acteur de cinéma? Celui qui s'est tué dans sa Porsche. C'est à lui que vous ressemblez à James Dean. Qui c'est James Dean, un acteur? Un mec du genre Mika Rooney. Et il s'est tué dans sa quoi? Et il est toujours mort, James Dean? Attention, hein, je vous permets pas de plaisanter sur la mort de James Dean. Vous savez, il était si beau. C'est formidable, ce que vous me faites penser à lui. Mais je ne voulais pas plaisanter. J'aurais tellement aimé faire l'amour avec James Dean. Oh, ce qu'il faut entendre. Hey, moi, une fois, j'ai baisé une fille dans une voiture. Oh, comment c'était? Ah, c'était... comme d'habitude. Non. Hey, moi, j'ai jamais baisé personne en faisant la queue. Moi non plus. Hey, c'est marrant, hein. Ouais. Bien regardé comme ça. Ouais. Ah, mais j'aimerais bien être à sa place. Moi aussi, ouais. C'est pour le moins excitant. Ouais. 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 Il s'est mis premier! Oh merde! Il n'y en a qu'un le premier! Et j'étais là toute la nuit! C'est absolument pas régulier! S'il y a bien une chose que je déteste, c'est de sortir le soir avec la même chemise que toute la journée. La journée, c'est plein de saleté, plein de microbes. On ne sait pas ce qu'on a pu attraper, non? La vie est pleine de saleté, oui. Chez nous, c'est toujours dégueulasse. Ma femme, elle ne le nettoie jamais. À l'écouter, on vivrait dans la crasse. Jusqu'en cou, jour et nuit. C'est pour ça que je suis en retard. Bon, qu'est-ce qu'il me passe? Je suis en tête, c'est comme ça. Ouais. Ouais, mais vous avez poussé le mot. Mais la règle du jeu, c'était qu'on poussait pas. Quoi?
Vous voulez peut-être me pousser, Fleming, me pousser, moi. Minute, hein. Je suis rudement plus baraqué que vous, là. Alors, si vous la prenez sur ce temps, là, je vous préviens, tant pis pour vous. Non, mais il me serait souverainement désagréable d'être le prétexte d'une bagarre, Fleming. Non, il vaut probablement mieux que je reste hors de la queue, hein. Vous pouvez vous arranger ensemble, vous n'avez pas besoin de moi. Ouais, on n'a pas besoin de toi. Non, mais quand même, mais qu'est-ce que vous manigancez, là? Je sais ce que vous avez eu dans la tête toute l'année. Hein, on est là, quatre types, en de vrais chefs. Et puis il y a une bonne femme. Hein, si on se l'envoyait pour passer le temps, vous ne pensez qu'à ça? Pas vrai? Vous ne pensez qu'à ça tout le temps? Hein, ben je vous dirai une bonne chose, mes amis. Dans des conditions normales, il n'y en a pas un de vous. Vous m'entendez? Mais alors, pas un de vous dont je voudrais. Vous m'entendez? Pas un! Oh, Molly! Allez, va! Retourne à ta place. C'est zéro. C'est lamentable. Tu fais l'amour comme un lapin. Votre femme, elle est dingue! Oh. Personne ne l'a eu! Compris? Compris? C'est moi qui vous ai eu. Ça vous dirait pas de remettre ça, avoir une troisième chance, là? Oh non, maintenant que je suis deuxième, ça vaudrait plus le coup, allez. Et Dolan, ouais. Et vous, ça vous ne dirait pas d'aller remettre ça un petit coup, là? Ouais, vos astuces, Fleming, ça pèse des tonnes, hein. Des tonnes? Personne ne vous a jamais dit que vous étiez vraiment très con? Non, personne n'a jamais pris le temps de vous dire à quel point vous êtes complètement idiot. Ouais, peut-être que je le sais pas. Ouais, peut-être que je suis tellement idiot que je sais pas que je suis con. L'intelligence, c'est pas tout, hein. Vous devriez savoir ça. Et puis, je suis pas encore à la queue de la queue, mon pote. Ouais, pas encore. La queue est dans le mauvais sens! Qu'est-ce que vous chantez, là? C'est la dernière fois que je fais la queue, Molly. Tu crois vraiment que je vais te laisser être première? Je suis première! Et je suis première et je ne bougerai pas. Ah, je les ai tous baisés jusqu'à être la première, et bien maintenant. Bah, je me repose. Et moi aussi, c'est peut-être la dernière fois que je fais la queue. Et t'as vu qui est la première? C'est moi, Molly! Juste là où je savais que j'arriverais. Dès que je les ai tous fait faire la queue. On ne peut pas être! Je suis premier! Regardez-moi! Je suis premier! Je l'ai mérité! Je sais que je l'ai mérité! Non, tout ça, c'est des conneries, on va t'avoir, mon gars! Ouais, ouais, t'auras, petit gars! Vous voulez que je vous le chante maintenant, le requiem, Stephen? Ce serait formidable si je chantais. Je chanterais et... Dolan chanterait! C'est pas moi le dernier, c'est toi, Molly, qui es juste derrière moi. Qui est dernier? Dolan! Je te mets là! Bon, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait, le môme? Chut! Je ne saisis toujours pas. Vous avez remarqué que je suis deuxième maintenant? C'est vrai. Ah, si vous avez remarqué. J'ai été le deuxième aussi à me taper votre femme. Ah, c'est vrai, oui. Et je suis le deuxième dans la queue. C'est vrai. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Oh. Ah, j'ai compris. Faire comme si de rien n'était. Le truc mine de rien, quoi. Oh, c'est une idée formidable. Bravo, vous avez pigé. Maintenant, ah mais maintenant, c'est la fin. Ben, je vous bats tous. Ah, c'est pas de la chance, hein. C'est du génie. Il n'y a au monde qu'un seul homme à battre. Et vous ne pouvez pas le voir dans votre queue. Moi, je peux le voir dans votre queue. Je vous battrai tous. Je mourrai le plus jeune, le plus grand. Et quand je serai parti, vous verrez ce qui s'en ira avec moi. Je l'emporterai avec moi.
moi. Oui, je l'emporterai avec moi. Je connais. Voilà. Ah, c'est bon, j'ai bien. Il suffisait d'attendre. Je viens proche.